Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Moi, j'aime mieux la chanson que le quiz des fois. Mais non! Le quiz à Seb. Mais c'est sur l'air de Baby Shark. Oui, c'est bon. Vous l'avez reconnu. On va la jouer une autre fois. Non, non. Ben oui. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Ça fait trois jours qu'on travaille ensemble et tu testes déjà notre amitié. Voilà. Alors, vous savez tous que c'est une hallucination auditive. Ben, moi, je savais pas jusqu'à tantôt. Là. Okay. C'est quand on entend une phrase en français dans une chanson en anglais. Tu es en train de me dire que moi, quand je prenais du moche, je voyais des choses weird, mais j'entendais rien de weird. Je me suis fait fourrer sa drogue que j'ai pris. Je pense que oui. Okay. Et je sais pas si moi, j'ai pris quelque chose, mais j'entends souvent des phrases comme ça en français dans des tunes en anglais. C'est des nouvelles hallucinations auditives. Donc, je donne... Ah, comme les culottes sont courtes de John Cougar Mellencamp. Exactement. Ouais, exact. T'as tout compris, voilà. Donc, on commence avec Scorpions. Ben, ça, c'est toi qui entends des choses ou si c'est comme commun? Y a-tu comme un échantillon de personnes qui entendent l'hallucination auditive ou c'est juste toi? Ben, mes culottes sont courtes, c'est pas mal généralisé. Mais vous allez l'entendre, vous autres aussi, mais il va peut-être falloir que je vous la... En fait, tentez de deviner. OK. Puis si vous n'êtes pas capable, ben, vous allez avoir la réponse. Okay. Une tourne en anglais, puis on entend une phrase francophone. Parfait. Exactement. Dans Scorpions, Still Loving You, l'indice que je vous donne, ça parle d'odeur corporelle. On écoute. Vous avez rien entendu? Non. Ben non. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Attention. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Ben oui! Ah, voilà! Oh mon Dieu! C'est trop bon! Mais là, voilà. Hey, tu viens de ruiner des tonnes. Je vais ruiner toutes les tonnes. OK. Chanteur qui s'appelle Charlie Puth, il fait une tune qui s'appelle Marvin Gaye. Vous allez entendre quelque chose, c'est sur les... Ça a rapport avec une insulte et des animaux. Voilà. OK. Dernière phrase. Hein? It's so subtle, I'm in trouble. Et ce salaud amène trois veaux. It's so subtle, I'm in trouble. Ah non! Ah non, là, tes oreilles. Non, ce salaud, oui, ouais. Amène peut-être, mais le trois veaux, non. C'est quand la dernière fois que tu t'es rasé les oreilles? Non. Okay. L'autre, c'était pas pire. Oui, l'autre, c'était pas pire. Scorpion, ça a marché, mais là, tes veaux qui sont salauds, là, c'est. Je vous jure que je me prends avec celle-là. Sunset Lover, une chanson qui s'appelle Petit Biscuit. Okay. Ou Petite Biscuit. En fait, le groupe, c'est petit. En tout cas, c'est pas important. Non, mais là, ben oui, mais tu mets le contexte, ouais. Et donc, on entend quelque chose à propos d'un organe. On écoute. J'ai une petite bite. T'es pas loin. Non, c'était une grande bite. Non, allez, là, on l'entend clairement. Voyons. Zéro clair là-dedans. Bon. Entendu. Pour vrai? Non. T'as une grande bite. Ça te prend des oreilles de chien, comprendre ça. Hein? Bon. David Guetta, l'indice que je vais vous donner, c'est qu'il n'aime clairement pas les mouches. Il n'aime clairement pas les mouches. Okay. Non. Tu n'as pas entendu? Non, j'ai pas... Bang, bang, quoi? Bang, bang. Bang, bang, grosse tapette. Non, pas fou, là? Maxime me regarde comme si j'étais dérangé. Non, c'est gross. Okay. Ah, je sais pas. OK. On a fait un dernier. Par grand moment, je t'adore. Et des fois, tu me fais juste peur. OK. Daft Punk ou Avril Lavigne? On va y aller avec Avril Lavigne et Skater Boy. Ça, c'est ça que je fais. Voilà. Donc, Avril Lavigne et Skater Boy, ça a rapport avec le ménage et des problèmes intestinaux, disons. Can I make it any more obvious? He was a punk. She did. Bon, là, tu m'as dit le mot balai, she did. Il chie des balais! Ben! She did ballet! Ah oui, OK, oh, ça c'est drôle! Okay. Ça marche! Oh, ça l'a marché! All right! Là, je finis tout ça là ou j'essaie ma dernière? Ouais, mais c'est quand même assez magique qu'un gars qui va avoir 50 ans dans deux mois et un gars qui est en quarantaine partent à rire sur une tune qui parle de chier des balais. Des balais? OK. Vraiment. Un dernier, Daft Punk et Get Lucky. Il parle d'une nationalité, disons. C'est répété. Mexicain. Et portugais. Je suis portugais, tu l'as eu. Tu l'entends? Je suis portugais. Ben oui. Oui. Voilà. Bon. OK. Ah, ben what, man? Hé là là, le temps que j'ai perdu à faire ça ce matin, ça n'a aucun bon sens. On va jaser.
Je suis parti bien. OK, on va changer de sport au retour. Ça va. Avec ça, on est parti, là. Je suis portugais. Je suis portugais. À chaque fois que vous entendez la toune maintenant, c'est je suis portugais. Attends, deux secondes. OK, on va parler donc de sport au retour et la musique de ce grand artiste. Oui, je suis portugais, non, c'est pas ça. Les plus gros feats avec Bob Marley. Martin, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Que l'offre au retour. Énergie.